Avant tout, Alain Millau était un ami. C'était un ami dans ma vie personnelle, puis c'était un ami dans ma vie politique. C'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, qui a toujours été là, fidèle, loyal, bienveillant, si je cherche les adjectifs qui lui correspondent. C'est quelqu'un qui était apprécié pour tout à la fois sa franchise, sa proximité, son attention aux autres. C'était un homme de progrès, un homme juste, un homme bon, un humaniste. Il aimait les gens. Je crois que finalement, s'il n'avait qu'un message à transmettre, post-mortem, c'est quand on veut être élu, quand on veut faire de la politique, il faut d'abord aimer les gens. Et je crois que c'était sa principale qualité. Un homme qui a été d'une grande dignité dans la maladie, qui ne s'est jamais plaint, qui a toujours su faire face sans jamais rien demander et qui a été, je crois, d'une grande transparence. Voilà, je dis ça avec beaucoup d'émotion, mais c'est pour moi une grande perte. Les lumières de la ville de Dijon se sont éteintes trop vite.